Chers collègues, bonsoir. Merci pour votre présentation. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir et de vous accueillir pour cette deuxième édition de webinar avec le thème des cancers ORL. Cette semaine est particulière parce qu'elle est positionnée comme cancer, comme semaine de sensibilisation pour les cancers ORL. Ces cancers ORL, on les appelle aussi les cancers des voies aérodigestives supérieures ou cancer des VADS. En réalité, on s'aperçoit qu'ils sont peu connus du grand public. Pourquoi ? Parce que des personnes peuvent présenter des symptômes, mais ne vont pas nécessairement faire la démarche d'aller consulter un médecin. Ce qui entraîne quand même un nombre de nouveaux cas par année élevé à 16 000 nouveaux cas par an. Ce cancer se situe au niveau du cinquième rang des cancers les plus fréquents en France. Et il faut savoir que dans 60% des cas, le diagnostic est fait à des stades avancés de la maladie. C'est donc aussi un cancer qui est particulier parce qu'il ne concerne pas uniquement les personnes qui peuvent avoir un terrain éthylotabagique, mais maintenant, avec l'arrivée d'un nouveau facteur de risque viral que l'on appelle l'HPV, il peut aussi concerner des personnes plus jeunes. C'est donc important d'en parler ce soir. Avec un message clé, en cas de symptômes qui évoluent pendant plus de 3 semaines, il est nécessaire et indispensable d'aller consulter un médecin pour avoir un avis qui ensuite pourra aussi organiser un avis auprès d'un spécialiste. C'est donc grâce à ce circuit que l'on pourrait proposer, après avoir dépisté les cancers à des stades plus tôt, des traitements moins lourds avec des chances de guérison beaucoup plus élevées. Donc pour parler de cette pathologie et la démystifier, nous vous proposons un webinaire interactif. Nous comptons sur vous pour poser des questions. Ce webinaire a un objectif, c'est en fait d'apporter des éléments cliniques pour faire un diagnostic lorsque les collègues peuvent être en consultation de ville. Et ça concerne bien entendu les collègues impliqués dans le diagnostic précoce de ces pathologies et aussi dans le dépistage des récidives. Nous avons tenté d'être représentatifs des différents centres de traitement en Normandie, mais nous ne sommes pas exhaustifs. Également, nous avons plusieurs représentants des différentes spécialités qui sont présents sur ce plateau, que l'on remercie d'ailleurs également pour leur présence, qui se tiendront à votre disposition pour poser des questions grâce au numéro qui s'affiche sur l'écran. Vous pourrez envoyer des questions par SMS. Nous vous remercions pour votre attention. Bonsoir, je suis le docteur Sébastien Thureau, je suis oncoradiothérapeute au centre Henri Becquerel également. Donc on est heureux de vous accueillir pour ce deuxième webinaire après celui que nous avions réalisé l'année dernière sur la prise en charge des patients avec un cancer ORL, où nous avions essayé de faire l'état des lieux de ce qu'était le traitement de ces patients. Aujourd'hui, nous avons souhaité l'orienter plutôt sur le diagnostic, parce que clairement, il y a un retard dans la prise en charge de ces patients et il nous a semblé important de pouvoir parler de cette problématique du diagnostic pour que les patients puissent avoir une prise en charge le plus précoce possible et donc avec des traitements qui seront probablement moins agressifs, avec moins de comorbidité par la suite et puis une meilleure survie. C'est aussi un cancer qui est extrêmement difficile à prendre en charge parce qu'il associe de nombreux spécialistes, que ce soit les chirurgiens ORL, stomatologues, chirurgiens dentistes, oncoradiothérapeutes, oncologues médicaux, les soins de support, les radiologues, les médecins nucléaires. Donc on va tout de suite commencer par les premières interventions. Et nous donnons la parole au docteur Ella Dimassi, qui est chirurgien ORL au centre hospitalier du Havre. Bonsoir, docteur Dimassi. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité du centre Henri Becquerel pour nous avoir associés à ce webinaire dédié au cancer des voies aérodigestives supérieures. Donc, je suis docteur Ella Dimassi, praticien ORL au centre hospitalier de Dieppe. Et je vais vous parler en premier des facteurs de risque des cancers de la cavité buccale et de l'oropharynx. Alors, ces cancers sont essentiellement des carcinomes épidermoïdes qui surviennent chez l'homme d'âge mûr. Les femmes et les sujets jeunes sont de plus en plus concernés. La genèse est essentiellement liée à l'alcoolotabagisme chronique. D'autres facteurs sont maintenant connus, comme l'HPV ou Human Papillomavirus.
Donc, on va parler d'abord des facteurs tabac-alcool pour ce type de cancer. Alors, il faut savoir que plus de 90% des patients présentant un cancer de la cavité buccale ou de l'oropharynx a été ou est exposé à ces deux facteurs. L'effet de ces deux facteurs est synergique et plusieurs études se sont intéressées à cette propriété. Alors, par exemple, pour cette étude, le facteur, le risque passe de 1 en cas d'absence de facteurs tabac et alcool. Il passe à 4 en cas de consommation supérieure à 20 cigarettes par jour et à presque 2 en cas de 3 boissons alcoolisées au plus par jour, mais à 14 en cas d'association des deux facteurs. Alors, ce qui signe bien l'effet multiplicatif. Alors, la poursuite de cette exposition alcoolo-tabagique après traitement d'un premier cancer augmente le risque de développer un nouveau cancer ORL, sachant que le risque d'une deuxième localisation métachrone après traitement, par exemple, d'un cancer de la cavité buccale est déjà entre 15 et 20%. Donc cela va être encore augmenté en cas de poursuite de l'exposition. Deuxième facteur qu'on va évoquer, c'est les facteurs viraux et surtout le human papillomavirus avec ses formes oncogènes 16 et 18. Alors, la relation entre les infections HPV et les cancers de la cavité buccale a été étudiée, mais elle paraît très faible, voire absente pour certaines études, mais elle est certaine par rapport au cancer de l'oropharynx. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on distingue cette forme à part, vu le pronostic différent et l'impact que ça peut avoir sur la prise en charge thérapeutique. Alors, les tumeurs HPV+ sont en forte augmentation en France et on chiffre plus de 6 000 cas de tumeurs HPV+. Et si cette pyramide publiée par la Haute Autorité de Santé montre les cancers ORL avec plus de 300 cas chez la femme et plus de 1100 cas chez l'homme en bleu. Les facteurs augmentant le risque de ces tumeurs HPV+ sont essentiellement l'augmentation de nombre de partenaires sexuels, le sexe oral et ou anal-oral. Il augmente également en cas de frottis cervical anormal chez la partenaire et pour certaines études en cas de parodontite chronique. Alors, les autres facteurs de risque potentiels sont l'exposition à la chique de Bethel et à la marijuana, le mauvais état dentaire, les mauvaises habitudes alimentaires, les mauvais facteurs socio-économiques. Mais ces facteurs sont très intriqués. Il y a beaucoup de biais avec l'exposition à l'alcoolotabagisme et il est très difficile de faire la part des choses entre ces différents facteurs de risque. Alors, en deuxième lieu, je vais vous exposer l'examen clinique de la cavité buccale et de l'oropharynx. Donc, le déroulement de l'examen nécessite de faire ouvrir largement la bouche en s'aidant de deux abaisse-langues. Il faut bien déplisser toute la surface muqueuse. Cet examen comporte deux temps essentiels, à savoir l'inspection et la palpation. Celle du plancher buccal doit être faite avec les deux mains pour bien évaluer la consistance au niveau endobuccal et cervical. Alors, il ne faut pas oublier de noter l'aspect dentaire, la sensibilité et une éventuelle mobilité dentaire. Il faut également évaluer la protraction linguale, une mobilité anormale au niveau d'une dent ou une limitation de la protraction linguale peuvent être des signes orientant vers un cancer de la cavité buccale ou de l'oropharynx. Enfin, il ne faut pas oublier d'enlever une prothèse dentaire et d'examiner les gencives sur les deux faces. Pour le matériel, bien évidemment, il faut deux abaisse-langues. Le doigt pour la palpation, ça c'est irremplaçable. J'illustre ici une lampe frontale. Il est très important de disposer des deux mains pour faire un examen adéquat de la cavité buccale et de l'oropharynx. Cette lampe est disponible dans le commerce, pas chère, et très efficace. On l'utilise dans le service pour les examens au lit des patients. Pour le déroulement de l'examen, j'ai choisi de vous montrer une vidéo d'un examen chez un patient adressé en consultation pour examen
de la sphère ORL dans le cadre d'une intoxication éthylotabagique. Donc on voit, on commence d'abord par l'examen du vermillon et de la face muqueuse de la lèvre, inférieure et supérieure. Il faut bien déplisser les muqueuses et évaluer l'aspect des gencives et des vestibules. Voilà, en bas les vestibules. En s'aidant des deux abaisse-langues, on déplisse bien la muqueuse de la face interne de la joue, droite, puis du côté contralatéral avec un examen comparatif. Donc il ne faut pas hésiter à bien déplisser les zones muqueuses qui ne sont pas bien visibles. En arrière, on voit ici le trigone rétromolaire, le vestibule en haut. Pour bien exposer le plancher de la bouche, il ne faut pas hésiter à tracter la langue pour bien voir la face ventrale de la langue, le plancher de la bouche et le sillon pelvi-amygdalien. On voit ici le canal de Wharton, le frein de langue. L'examen est toujours bilatéral et comparatif pour bien examiner toutes les surfaces muqueuses éventuellement non visibles directement. Il ne faut pas oublier de regarder vers le haut pour l'examen de la cavité buccale, vérifier l'aspect du palais dur. Donc ici, je vous montre l'examen de l'oropharynx. Il ne faut surtout pas demander au patient de tirer la langue. Au contraire, l'idéal, c'est de lui demander d'inspirer l'air par la bouche, ce qui nous permet de bien évaluer donc, l'aspect du voile et de la paroi pharyngée postérieure. On voit ici au fort grossissement la luette, les deux piliers antérieurs et postérieurs de chaque côté, et les tensies palatines. Alors, ai-je oublié quelque chose? Je pense que oui, parce que j'en ai parlé et je ne la montre pas dans ma vidéo. Donc, il fallait aussi compléter par la palpation aussi bien du plancher de la bouche, de la langue et de l'oropharynx. Cette évaluation de la consistance des tissus est irremplaçable. Pour conclure, donc, ces cancers sont principalement masculins. L'incidence est en augmentation chez la femme vu la hausse de leur consommation de tabac et d'alcool et l'augmentation des cas viraux induits par le HPV ces dernières années. L'examen clinique de la cavité buccale et de l'oropharynx est très important chez les patients exposés à des facteurs de risque, mais il ne faut pas oublier que le cancer de l'oropharynx HPV induit peut apparaître chez des patients jeunes, en bon état général et sans intoxication alcoolo-tabagique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On a vu en quoi l'examen il peut être simple, mais en même temps, il peut être fastidieux et long. Est-ce que vous pensez que ça relève plutôt du généraliste ou est-ce que, par exemple, pour des populations très à risque, comme vous l'avez montré, alcoolo-tabagique, il faudrait envisager un dépistage un peu systématique de populations qui ont un risque important donc? Je pense que l'examen fait par le médecin généraliste est irremplaçable. Il faut qu'un médecin généraliste puisse bien examiner l'examen, la bouche et l'oropharynx et évaluer tout éventuel aspect douteux ou franchement pathologique pour adresser vers un spécialiste. Après, bien sûr, en cas de doute et en cas d'exposition chronique, un examen par un spécialiste peut être séquentiel de façon continue, notamment pour compléter le reste de l'examen des voies aérodigestives que je n'ai pas présenté. Oui, tout à fait. Ce n'est pas l'examen complet, c'était l'examen de la cavité buccale de l'oropharynx, effectivement. Mais c'était l'objectif de la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez aussi poser des questions, vous, pour lesquelles on pourra répondre à la fin des différentes interventions. On va passer tout de suite la parole au docteur Lise Marie Roussel, qui est chirurgien ORL au Centre Henri Becquerel et qui va nous parler du coup de l'aspect pathologique de cet examen, donc quand il y a une suspicion de lésion carcinologique. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je suis le docteur Lise-Marie Roussel et je travaille effectivement à Becquerel. Je remercie d'abord le comité d'organisation qui m'a proposé de faire cette présentation sur laquelle on va vraiment se concentrer sur les lésions pathologiques de la cavité buccale et de l'oropharynx. Donc ça s'inscrit vraiment dans la suite de la présentation précédente. Et l'objectif sera double. Tout d'abord, on reprendra les éléments vraiment essentiels sur le plan anatomique et les éléments indispensables de l'examen clinique. Ça permettra vraiment de compléter la présentation précédente.
Et puis, après avoir fait ces rappels anatomiques, je présenterai différentes iconographies et différentes lésions pathologiques en fonction des différentes localisations. Donc, on va commencer par ce schéma très basique de la cavité buccale et de l'oropharynx. Donc, le patient est face à nous avec en ouverture buccale, en protraction linguale. Et d'ores et déjà, vous pouvez identifier les deux régions d'intérêt, à savoir en rouge l'oropharynx et en bleu la cavité buccale. La cavité buccale, je rappelle, elle se compose de la langue mobile, du palais dur, de la région rétromolaire. C'est une région vraiment importante qu'il faut regarder attentivement, qui peut éventuellement être masquée par les dents, mais c'est aussi une zone souvent un point de départ de cancer ORL, et il faut vraiment être attentif à cet endroit-là. Mais l'examen de la cavité buccale, il ne se limite pas à cette région. Il faut également demander au patient effectivement de lever la langue, d'aller toucher son palais. Éventuellement, on peut aussi céder des deux abaisse-langues, ce qui nous permet donc de voir la face ventrale de la langue. Sur cette même incidence, ça nous permet de voir le plancher buccal antérieur. Et là encore, l'examen clinique de la cavité buccale, il n'est pas terminé. On doit aller effectivement déplisser l'ensemble des muqueuses, notamment au niveau jugal. On ira regarder au passage les lèvres supérieures et inférieures, notamment sur le versant endobuccal. Et cette incidence, elle nous permettra aussi d'aller examiner l'arcade maxillaire et l'arcade mandibulaire. Dernière étape, on n'a pas terminé. Il y a une zone aussi importante à aller examiner. C'est cette zone hachurée qui correspond à la zone toute postérieure de la langue mobile, la zone de jonction entre la cavité buccale et l'oropharynx. Là aussi, ça peut être un point de départ fréquent de cancer ORL. Et pour ce faire, on peut effectivement utiliser la palpation, comme a dit ma collègue, et également utiliser les deux abaisse-langues qui sont absolument essentielles. Voilà pour la cavité buccale. Maintenant, au niveau de l'oropharynx, je rappelle, donc on inclut dans l'oropharynx les amygdales palatines, la luette, la base de langue et le voile du palais. Le voile du palais donnera les piliers antérieurs et postérieurs des amygdales. Là encore, l'examen de l'oropharynx, il n'est pas terminé. Il y a un élément essentiel pour terminer et avoir fait correctement l'examen clinique, c'est d'aller effectivement palper au niveau de toute la base de langue. Je l'ai fait figurer ici en rouge, hein, mais c'est des deux côtés, même sur la partie médiane, pour aller palper vraiment l'ensemble de la base de langue et également le pôle inférieur des amygdales. Alors effectivement, pour le médecin généraliste et pour le dentiste, c'est vraiment une zone qui n'est pas accessible visuellement, elle est uniquement accessible à la palpation. Pour les ORL, on a effectivement accès éventuellement à la nasofibroscopie. Mais quoi qu'il arrive, on ira effectivement palper cette zone. Donc voilà pour les rappels anatomiques et les rappels de l'examen clinique. Maintenant, je vais réutiliser l'ensemble des schémas que je vais vous montrer en essayant de vous montrer une lésion pathologique par localisation. On va commencer par un cas clinique relativement simple. C'est ce patient qui présente une volumineuse lésion bourgeonnante développée aux dépens de la langue mobile gauche, relativement évidente, très exophytique, très bourgeonnante, aussi très douloureuse. Ça aussi, c'est un élément important aussi dans la clinique. Hein. C'est des patients qui sont très clairement douloureux et c'est un signe important. Autre exemple, cette lésion plus superficielle, tout aussi agressive, hein, ça reste du carcinome épidermoïde. Hein. Le carcinome épidermoïde, c'est la lésion très très majoritaire en ORL. Et pour cette présentation, je dirais de façon sans différence, je parlerai de carcinome épidermoïde ou de cancer ORL parce que c'est vraiment l'histologie la plus majoritaire. Et donc ici, justement, ce cancer ORL, on le retrouve au niveau de cette fameuse zone qu'il faut aller vraiment examiner avec beaucoup d'attention. Et on retrouve cette lésion très superficielle, mais aussi ulcérée en son centre, hémorragique. Et c'était un patient qui était particulièrement douloureux lorsqu'on allait placer l'abaisse-langue. Autre lésion maintenant, au niveau du voile du palais dur, cette lésion qui est plus petite, qui est médiane, qui est ulcérée, qui est aussi hypervascularisée, qui est aussi hyperalgique. Autre exemple, au niveau du trigone rétromolaire, hein, cette région en arrière des dents,
où on retrouve cette lésion très ulcérée, très nécrotique également. Et ça, il s'avère que c'est aussi un cancer ORL. Autre lésion au niveau de la jonction de la face ventrale de la langue et du plancher buccal antérieur. Cette fois-ci, c'est une lésion qui est ulcérée en son centre, plus bourgeonnante à sa périphérie, également hypervascularisée, éventuellement qui saigne au contact. C'est aussi du cancer ORL. Au niveau jugal, j'ai choisi une lésion un petit peu particulière. Je trouvais nécessaire en tout cas de vous montrer un exemple du type, puisque cette fois-ci c'est une lésion qu'on dit précancéreuse. On parle alors de leucoplasie. J'ai montré, pour ici j'ai choisi un exemple d'une paroi jugale. Ça peut être au niveau de l'ensemble de la cavité buccale et de l'oropharynx. Et il y a un message vraiment important, c'est qu'il ne faut pas se dire que c'est une lésion infectieuse ou une lésion mycotique, parce qu'on a beaucoup de patients qui nous sont adressés après X cure d'antifongiques ou d'antibiotiques. Non, il faut vraiment considérer ces lésions comme des lésions précancéreuses, voire un début de lésion infiltrante. Hein, nous, de façon systématique, on ira réaliser des biopsies. Et vraiment, ces patients-là, il faut les adresser pour un avis spécialisé, ne serait-ce pour avoir un examen ORL exhaustif. Autre exemple, au niveau de l'arcade maxillaire, avec cette patiente qui présente une lésion qui est très bourgeonnante, très exophytique, qui saigne au contact. C'est une patiente qui nous avait été adressée récemment. Au départ, une lésion inflammatoire avait été évoquée. Elle a eu des soins dentaires itératifs et c'est vrai qu'il y a eu un retard à la prise en charge. Donc, autre message important, jusqu'à preuve du contraire, une lésion de la cavité buccale ou de l'oropharynx, c'est du cancer. Et il faudra de toute façon systématiquement aller réaliser des biopsies, quoi qu'il arrive, même si on suspecte une lésion uniquement inflammatoire. Autre lésion ici au niveau oropharyngé, au niveau de l'amygdale, hein, on retrouve effectivement une lésion très ulcéreuse, très nécrotique en son centre. Ça aussi, c'est du carcinome épidermoïde ORL. Autre signe important qu'on ne voit pas sur cette photo, si vous avez une asymétrie amygdalienne, vraiment, il faut demander un avis spécialisé, un avis ORL. C'est un signe aussi important. Et encore une fois, elle est palpée, hein, les amygdales, l'induration amygdalienne, c'est un signe de cancer ORL. Ici, une lésion plus évidente de la luette qui est très ulcérée, très nécrotique. Autre exemple encore ici, au niveau de la base de langue, où on retrouve une lésion très bourgeonnante, saignant en contact, très douloureuse également. Et puis, dernier exemple, une lésion peut-être un petit peu plus évidente qui présente plusieurs aspects, notamment ulcéro-bourgeonnement à sa partie latérale et plus nécrotique médialement. Ça aussi, c'est du cancer ORL. Donc, en conclusion, c'est une redite, hein, mais vraiment, c'est le message clé. Une lésion, qu'elle soit au niveau de la cavité buccale ou de l'oropharynx, il faut la considérer comme une lésion maligne jusqu'à preuve du contraire. Même si on évoque une lésion bénigne, c'est la biopsie qui en fera la preuve. Donc, il faut demander un avis ORL. Merci de votre attention et je redonne la parole à mes collègues. Merci beaucoup, docteur Roussel, pour cette présentation très didactique qui complète très bien la présentation du docteur Dimassi. Là, nous sommes donc restés dans la partie haute en fait, de la région ORL. Une question parce qu'on a vu plusieurs diapositives, donc on s'interroge sur la durée, notamment de l'examen clinique. La question qu'on vous poserait, c'est comment vivent les patients lorsque vous réalisez cet examen de la cavité buccale et de l'oropharynx ? Est-ce qu'ils le vivent bien ? Est-ce que c'est difficile ? Et une deuxième question, est-ce que vous avez des astuces pour les cas difficiles ? Je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire. Il faut aussi s'adapter aux patients. Notamment, on a des patients qui ont des réflexes nauséeux qui peuvent être importants. Surtout pas brusquer le patient. Savoir aussi que le réflexe nauséeux, on le rencontre fréquemment chez les patients qui ont aussi un cancer ORL. Si l'examen est difficile, pas hésiter à demander un avis pour un examen plus exhaustif par un ORL. Merci beaucoup, docteur Roussel. Nous allons maintenant passer à une zone anatomique plus basse. Nous allons descendre d'un étage au niveau du larynx et du pharyngolarynx. Nous allons donc donner la parole au docteur Sophie Deneuve, chirurgien ORL au CHU de Rouen, qui va répondre à la question « Docteur, j'ai une grosseur, je fume, je bois et j'ai une gêne dans la gorge. » En d'autres termes, de nous parler de « Que faire devant une dysphagie ou odynophagie ?» Merci. Bonjour, Sophie Deneuve, je suis effectivement ORL au CHU à Rouen.
Et on m'a donc demandé de vous parler de la conduite à tenir devant une dysphagie avec ou sans odynophagie associée. Alors, il faut d'abord savoir que la déglutition, c'est un phénomène complexe qui va combiner un premier temps de préhension des aliments, puis leur préparation dans la bouche, puis leur envoi de la bouche vers l'estomac avec un temps simultané de protection des voies aériennes. Et du coup, la dysphagie, ça va être toute perturbation de ce processus de déglutition avec une sensation de blocage alimentaire. Alors que l'odynophagie, ça va être une douleur au moment de la déglutition des aliments sans blocage. Tout ça, ce n'est pas la même chose que l'anorexie qui a un problème d'appétit, ni que de la satiété précoce qui est un phénomène de sensation de blocage épigastrique des aliments après plusieurs épisodes de déglutition normale. Donc la déglutition n'est pas affectée. Ce n'est pas non plus le globus hystericus ou la fameuse boule dans la gorge qui est un sentiment de corps étranger au niveau du cou sans prise d'aliments concomitants, un peu n'importe quand. Du coup, pour le praticien qui va recevoir un patient qui a un problème de dysphagie ou d'odynophagie, l'enjeu va être double. Il va falloir à la fois arriver à obtenir une orientation diagnostique et pour ça, on va être aidé par le terrain, par les symptômes associés du patient et bien sûr par l'examen physique. Mais il va également falloir évaluer relativement rapidement et précocement dans la prise en charge les répercussions de cette dysphagie, notamment sur l'état nutritionnel des patients, le retentissement pulmonaire éventuel et la douleur qui peut être associée. Alors, à l'interrogatoire, déjà, l'âge des patients peut donner une idée d'orientation diagnostique. On ne va pas avoir tout à fait le même type de pathologie chez les gens âgés. On voit plus de pathologies neurologiques que chez les gens d'un âge médian ou chez les gens jeunes. On va chercher dans les habitus les facteurs de risque dont mes collègues vous ont déjà parlé, afin de s'orienter plus vers un cancer. On va chercher également d'autres antécédents. Est-ce qu'il y a eu d'autres cancers ORL ? Est-ce qu'il y a eu une radiothérapie cervicale ? Est-ce que le patient a un reflux gastro-œsophagien ou est-ce qu'il a déjà des troubles neurologiques associés ? Et on va s'appliquer à caractériser la dysphagie. On va essayer de définir sa sévérité. En effet, ça peut aller d'une simple gêne à la déglutition jusqu'à un blocage alimentaire complet avec aphagie. On va regarder quel type d'aliments sont concernés avec le diagnostic d'une dysphagie basse quand on observe une dysphagie un peu paradoxale avec surtout les aliments liquides qui vont être plus difficiles à avaler que les aliments solides. Et on va interroger le patient sur son adaptation alimentaire parce que ça va être un bon reflet de la sévérité du trouble. En effet, certains patients ne peuvent plus manger que des soupes. Et là, on est devant une dysphagie très sévère. On va évaluer la durée de l'installation. Devant une dysphagie d'aggravation progressive, on évoquera plus une pathologie tumorale. Et devant une dysphagie brutale, plus un corps étranger ou un problème neurologique. Ensuite, on va chercher des symptômes associés. Alors, il y a la dysphonie en raison du rapport étroit entre le pharynx et le larynx où il y a les cordes vocales. Et donc, le patient peut présenter une voix bitonale avec une paralysie des cordes vocales associées, ou alors une voix couverte s'il y a une masse au-dessus du larynx qui empêche le son de sortir correctement, ou alors une voix mouillée si, au contraire, il y a une masse en dessous qui fait qu'il y a une stase dans les sinus piriformes. On va aussi chercher une dyspnée, une difficulté à respirer, ou alors une otalgie qui s'appelle otodynie aussi, c'est cette douleur à l'oreille sans aucune anomalie au niveau du tympan et qui est très évocatrice d'une lésion pharyngée. À l'interrogatoire, on va aussi chercher par exemple des ruminations ou des régurgitations qui vont là, chez un patient âgé en particulier, plus nous évoquer un diverticule de Zenker ou d'autres signes neurologiques qui vont nous orienter également vers une pathologie neurologique. Et pour évaluer donc les retentissements, on va chercher des fausses routes, on va demander au patient s'il avale de travers ou s'il tousse quand il mange, évaluer également le retentissement des fausses routes sur l'état pulmonaire. En effet, les patients gros tabagiques sont également fréquemment BPCO et peuvent donc avoir des difficultés de réserve pulmonaire et mal tolérer les pneumopathies à répétition. Il faut chercher une perte de poids et essayer de la chiffrer au maximum. Alors, ce n'est pas toujours simple, tout le monde ne se pèse pas. On peut demander au patient s'il flotte dans ses vêtements, par exemple, c'est un bon signe. Mais si on peut le chiffrer, il faut considérer que 5% de perte de poids corporel
C'est inquiétant et 10% c'est vraiment grave. Et il va falloir traiter la perte de poids le plus précocement possible en prescrivant des compléments alimentaires, en précisant bien aux patients néanmoins que ces compléments, ce sont des compléments et qu'ils ne doivent pas remplacer leur repas du midi ou leur repas du soir. Enfin, s'il y a douleur, il va falloir la traiter également car elle entretient la dénutrition finit par devenir angoissant pour le patient de manger. Et donc on peut la traiter soit par des traitements antalgiques généraux, soit par des topiques comme la xylocaïne visqueuse qui peut régler quelques problèmes. Ensuite, on va passer à l'examen physique. Donc, mes collègues vous ont bien détaillé la cavité orale et l'oropharynx. On va chercher une inflammation ou une infection locale. On va chercher une masse comme ils vous ont déjà décrit. On va chercher également des paralysies qui sont des signes indirects. Donc on va faire tirer la langue au patient ou rechercher une élévation du voile du palais. On va également réaliser une palpation cervicale qui va concerner à la fois les aires ganglionnaires, mais également les cartilages laryngés, à la recherche donc d'adénopathie au niveau des ganglions ou d'une masse au niveau laryngé. Et enfin, toute dysphagie nécessite d'aller examiner le larynx et l'hypopharynx. Alors, ce n'est pas accessible en consultation par le médecin généraliste ou le dentiste. À la palpation, le larynx et l'hypopharynx ne sont pas accessibles. Et donc, il va falloir adresser ce patient à un spécialiste des voies aérodigestives supérieures qui va pouvoir pratiquer un examen au miroir ou une nasofibroscopie ORL. Alors, la nasofibroscopie, c'est un examen de consultation qui n'est pas douloureux, qui se fait avec parfois une petite anesthésie locale. Donc ça permet de descendre voir bien le larynx qui est donc devant avec les cordes vocales et les sinus piriformes, l'hypopharynx en arrière. On peut voir la paroi pharyngée postérieure. On peut voir également les sinus piriformes de chaque côté. On va évaluer la mobilité laryngée. On demande au patient de dire « i » comme vous voyez ici. Voilà. Et pour aller bien examiner les sinus piriformes, on va demander au patient de faire un équivalent de Valsalva. Alors évidemment, il ne peut pas se boucher le nez avec le nasofibroscope dans le nez, mais il peut gonfler les joues très fort, comme s'il gonflait un ballon qui ne veut pas se gonfler. Ensuite, on lui fait ouvrir la bouche au patient et tirer la langue pour pouvoir examiner les valécules en avant. Et au passage, on regarde bien les trois replis. Pour terminer, on peut faire avaler le patient pour vérifier qu'il n'y a pas de stase salivaire dans les sinus piriformes qui évoquerait également une masse plus basse située. Donc ici, la fibroscopie est normale. Pour les patients où il n'y a plus de larynx, on peut également faire avaler le fibroscope et examiner assez facilement toute la partie haute de l'œsophage et du néo-hypopharynx à reculons. Et donc, cet examen peut permettre d'observer une masse qui va toujours être pathologique à cet endroit-là, pour laquelle il faudra réaliser une biopsie sous anesthésie générale avec une panendoscopie, sachant que la panendoscopie va obligatoirement être faite la plupart du temps par le médecin qui va prendre en charge le patient du point de vue du cancer, notamment s'il y a une indication de partielle laryngée. Et pour conclure, si après qu'on ait fait tout ça, tout est normal, et ben c'est toujours un peu difficile. Il faut se méfier d'un petit cancer des voies aérodigestives supérieures, surtout en présence de facteurs de risque dont on a déjà parlé, et ne pas hésiter à réaliser à minimum un examen sous anesthésie générale, voire une panendoscopie et un scanner cervico-thoracique injecté, surtout si on a un terrain favorisant. De toute façon, il faudra absolument réaliser une fibroscopie œsogastro-duodénale de façon indiscutable, puisque l'examen ORL ne permet d'examiner que les voies aérodigestives supérieures. Il faut se rappeler que le transit barité ne va permettre le diagnostic que de Zenker, et donc que c'est un examen secondaire plus dans le but d'un diagnostic précis. Et enfin, un petit plaidoyer, il va falloir se méfier des cures courtes d'antibiotiques, c'est-à-dire qu'il va falloir ne prescrire des antibiotiques que si vous avez une raison d'en prescrire, parce que les cures courtes d'antibiotiques peuvent transitoirement améliorer en fait, le tableau clinique d'un cancer en raison de la part inflammatoire et nécrotique constante dans les tumeurs, les carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives supérieures. Et du coup, ça peut faussement rassurer un patient qui peut du coup être perdu de vue et on peut passer à côté d'un cancer ORL. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette présentation. Une question, justement, effectivement, on a souvent dans l'histoire des maladies des patients, ils nous disent, bah, effectivement, j'étais mis sous corticoïdes, puis sous antibiotiques, puis à nouveau sous corticoïdes et antibiotiques. À votre avis, quel est le moyen entre l'apparition des symptômes et puis le moment où le patient consulte un spécialiste? Est-ce qu'on a une idée de ce délai moyen en France, notamment? C'est assez variable en fonction des patients. Il y a des gens qui sont très anxieux, il y a des gens qui vont venir très tard. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande part de patients qui, effectivement, est adressée tardivement à l'ORL après plusieurs cures d'antibiotiques. Et c'est pour ces patients-là qu'on se dit qu'on pourrait probablement améliorer le pronostic en les diagnostiquant plus tôt. Et c'est tout l'intérêt de ces campagnes de sensibilisation au cancer ORL, c'est vraiment de rappeler que bon, il faut mieux avoir consulté un ORL entre guillemets pour rien que d'arriver avec un cancer qui devient de stade avancé. Oui, merci beaucoup. Oui, je pense que c'est important parce qu'effectivement, les patients ils vont des fois avoir au départ leur chirurgien dentiste qui va faire un premier traitement, puis après, ce sera un médecin généraliste, des fois un remplaçant. Donc, c'est important de pouvoir être adressé rapidement. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on est toujours sur ce webinaire donc sur les cancers ORL qu'on fait dans le cadre de la sensibilisation du dépistage plus précoce. On va passer maintenant la parole au docteur Nicolas Bombardion, qui est également chirurgien ORL à la clinique Mathilde à Rouen et qui va nous parler de la prise en charge des masses cervicales. Je vous remercie, messieurs les organisateurs, de me permettre de vous parler de ce sujet. C'est une mission de vous parler de ce sujet rapidement, puisque les masses cervicales peuvent être de typologie extrêmement variable. Et finalement, j'ai pas de flèche. Finalement, dans le cadre... Il n'y a pas de flèche. Dans le cadre des cancers ORL... Ah si, ah non... Dans le cadre des cancers ORL, finalement, la question qu'on va se poser, c'est devant quel tableau on est face à une adénopathie cervicale. Vous avez des choses tout de suite qui vont être un peu hors sujet, des problèmes inflammatoires, infectieux. Vous allez avoir une pathologie thyroïdienne qui ne fait pas tellement partie du sujet également. Bien qu'il faille savoir être particulièrement vigilant devant une modification rapide d'un goitre. La pathologie des glandes salivaires ne sera pas tellement non plus traitée dans cette présentation. Donc la question qui se pose, c'est de reconnaître une adénopathie prévalente. Une adénopathie prévalente, c'est quoi? C'est une adénopathie qui va être révélatrice d'un cancer de la sphère ORL. Donc un point important qui a été souligné dès l'introduction de ce webinaire, c'est qu'il faut être particulièrement vigilant dans une adénopathie qui est chronique, c'est-à-dire une adénopathie qui évolue depuis 3 semaines. Face à un tableau d'adénopathie chronique, plusieurs éléments d'interrogatoire peuvent être orientants. Les antécédents néoplasiques du patient, est-ce qu'il y a des facteurs de risque, une exposition professionnelle particulière, l'amiante par exemple, est-ce qu'il a des origines ethniques particulières, et est-ce qu'il y a des signes d'accompagnement de cette adénopathie chronique? Donc, parmi ces signes d'accompagnement, on peut signaler les 4 D, donc dysphagie, dysphonie, dyspnée et douleur. Très évocateur si, pareil, ils évoluent depuis 3 semaines. L'altération de l'état général, virgule, et puis aussi les fièvres et les sueurs nocturnes. Alors, face à une adénopathie prévalente, on va pouvoir faire un examen dans un premier temps de l'adénopathie. L'examen de l'adénopathie, il se fait en palpant les aires ganglionnaires. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire face au patient ou alors dos au patient, en fonction des habitudes de chacun. L'idée, c'est de localiser un peu l'adénopathie, dans quel territoire elle se situe, puisqu'en fonction des différents territoires, on aura des orientations diagnostiques un peu différentes. Ainsi, les cancers de l'oropharynx, de la cavité buccale, donnent assez fréquemment le célèbre ganglion de Troisier situé sous le dit gastrique. Les adénopathies spinales peuvent faire évoquer des pathologies cutanées ou plutôt du nasopharynx. Voilà. Les caractéristiques de l'adénopathie qui font que celle-ci est suspecte sont le fait qu'elle mesure plus d'un centimètre, qu'elle soit dure, inflammatoire, avec une inflammation cutanée, éventuellement une fixation cutanée, voire une fixation profonde. Après cet examen des aires ganglionnaires, on pourra faire un examen des muqueuses des VADS. Cela dit, limité pour les dentistes et les médecins généralistes
à l'examen de la cavité buccale et de l'oropharynx, comme ça a été présenté précédemment. Et puis, on pourra aussi faire porter une attention particulière au tégument, puisqu'il n'est pas rare de tomber sur un carcinome épidermoïde ou une lésion suspecte d'être un mélanome. On peut aussi donc voir sur cette photo-là l'examen de l'oropharynx avec les différentes régions abordées précédemment. Donc, à l'issue de cet examen relativement simple, je pense qu'on peut définir quelques grands tableaux cliniques. Le premier grand tableau clinique, celui qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est les patients de 50 à 60 ans qui présentent une intoxication alcoolo-tabagique chronique avec une adénopathie sous-digastrique droite qui évolue depuis plus de 5 mois, qui mesure plus d'un centimètre de grand axe, donc par exemple dans un cas ici de 3 cm, associé à une altération de l'état général et une adénophagie. On ne voit pas de lésion visible à la base langue. Qu'est-ce que ça peut être? Et bien, probablement une métastase d'un carcinome épidermoïde et VADS. Donc dans ce cas-là, ça nécessite un examen complet avec un recours à l'ORL. S'il n'y a pas de tabac, ça ne veut pas dire que cette lésion elle n'est pas suspecte compte tenu de son histoire. Et le facteur de risque à rechercher éventuellement, c'est l'HPV. Un autre tableau typique, une patiente de 45 ans d'origine marocaine qui présente une adénopathie spinale haute qui évolue depuis 3 mois, qui mesure plus de 4 cm de grand axe et qui a également une obstruction nasale gauche avec une hypoacousie gauche associée. Là, dans le contexte d'origine ethnique, quelle est l'hypothèse principale? Eh bien, ça sera le carcinome indifférencié du nasopharynx. Ici aussi, l'examen en médecine générale ou en cabinet dentaire ne permet pas d'identifier la lésion et le recours à un spécialiste est nécessaire. Face à un patient plus jeune de 25 ans qui présente une polyadénopathie cervicale gauche qui évolue depuis 2 mois, sans altération d'état général ou éventuellement avec une altération d'état général, mais en tout cas des sueurs nocturnes, avec des ganglions fermes qui ne sont pas durs, quelle est l'hypothèse que l'on peut faire? Eh bien, on peut penser dans ce cas-là au lymphome ou aux hémopathies. Dernier grand tableau typique, il s'agit d'un patient de 77 ans qui a 2 adénopathies chroniques du creux susclaviculaire gauche, qui a comme antécédent l'ablation d'un cancer cutané prétragien gauche pour lequel il n'y avait pas de précision. Quelle était l'hypothèse? Eh bien, que ce soit les métastases d'un mélanome. Donc, en cas de suspicion d'une lésion maligne, il faut orienter le patient vers un ORL. Le délai idéal, ou vers un autre spécialiste, hein, mais vers un spécialiste, le délai idéal d'adressage, c'est 1 à 2 semaines. Donc, on s'engage à prendre en charge vos patients dans ces délais-là. Si l'adénopathie chronique est isolée et vraisemblablement maligne, les examens de débrouillage qui peuvent être faits dans l'attente de la consultation du spécialiste, c'est l'échographie et éventuellement une cytoponction. Ce qui se discute, c'est le scanner cervico-thoracique, mais c'est plutôt un examen de deuxième intention, sauf si vous avez identifié une lésion d'allure néoplasique de la sphère, de la cavité buccale ou de l'oropharynx. Si on est face à une polyadénopathie et qu'on a quand même un petit doute sur une pathologie infectieuse ou hématologique, on peut quand même compléter le bilan d'un bilan biologique, de sérologie, d'une IDR éventuellement et d'une radiographie de thorax. Alors que va faire l'ORL ensuite? Eh bien, il va faire un examen ORL complet, donc il va compléter, comme on vous l'a dit précédemment, par une nasofibroscopie, ce qui va permettre d'identifier éventuellement des lésions de la paroi pharyngée postérieure en haut ou du larynx en bas. Si une lésion suspecte est identifiée, eh bien on lancera un bilan spécifique. S'il n'y a pas de lésion suspecte identifiée, le bilan repose sur un scanner cervico-thoracique, une polyendoscopie et éventuellement une amygdalectomie homolatérale s'il n'y a pas de lésion identifiée sur ces 2 examens précédents. En cas de bilan encore négatif, on pourra compléter le bilan par un PET scanner. Ce qui n'est pas très, très clair dans mon organigramme, là, c'est que la cytoponction n'apparaît pas. La cytoponction, elle doit être faite rapidement également. Je l'avais mis initialement avec l'échographie. Donc, si le PET scanner est négatif, la fin du bilan, ça comportera une adénectomie avec un examen extemporané et éventuellement un curage pour compléter le geste.
Juste pour terminer, je vais vous donner deux cas qui sortent un peu du contexte habituel de cancer ORL. Donc là, il s'agissait d'un patient effectivement qui avait 77 ans, qui avait un tabagisme sevré depuis 1983 sans antécédent rapporté, qui présentait des adénopathies susclaviculaires gauches qui ont été découvertes de façon fortuite sur une écho Doppler des troncs supra-aortiques. Il avait eu effectivement une cytoponction rapidement qui avait révélé la métastase d'un carcinome peu différencié. Puis une polyendoscopie avec amygdalectomie gauche sans lésion primitive identifiée. Puis un PET scanner qui a retrouvé deux adénomégalies basicervicales gauche et quelques adénomégalies médiastino-hilaires bilatérales, mais dont l'hypermétabolisme était moins franc. Et il y a un curage ganglionnaire qui a été fait. L'examen extemporané était en faveur d'une lésion maligne peu différenciée. Et finalement, l'examen définitif est en faveur de trois adénopathies métastatiques de mélanome. Donc, en fait, ce patient, après reprise de son interrogatoire, on a découvert qu'il avait eu effectivement l'ablation d'un cancer cutané dans la région prétragienne gauche 8 ans auparavant, mais il n'avait pas eu de précision sur ce cancer cutané. Et le dernier petit cas, c'est un patient de 77 ans qui a un tabagisme actif avec une tuméfaction latéro-cervicale gauche qui évolue depuis avril 2021, qui mesure plus de 4 cm de grand axe, qui est peu mobile par rapport au plan profond et isolé, à qui on aurait tout envie de trouver un cancer des muqueuses des VADS, et pourtant l'ensemble du bilan est négatif. L'exérèse chirurgicale a finalement conclu en un carcinome épidermoïde d'origine parotidienne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Bombardion, pour cette présentation qui nous apporte beaucoup d'éléments. Pour revenir un peu plus sur la clinique, une petite question simple. Est-ce que vous pourriez redétailler comment est-ce que vous faites, vous, votre examen clinique, c'est-à-dire en termes de ganglions, et quelles sont les structures que l'on peut palper au niveau du cou? Alors, ça dépend quand même globalement de l'ambiance. Mais moi, j'examine les patients face aux patients, avec les deux mains, en enlevant le masque, si possible. Et je remonte l'examen jusqu'aux aires parotidiennes. La palpation, en général, nécessite un appui ferme avec la main qui ne palpe pas pour aller trouver les ganglions qui peuvent être profonds. C'est un examen qui peut être difficile. J'attire l'attention sur le fait qu'on se fait souvent piéger par les grandes cornes de l'osioïde. Donc, quand on a des boules qui sont symétriques et qui bougent en même temps, quand on fait bouger l'osioïde, ce ne sont pas des adénopathies. Merci beaucoup, docteur Bombardion. Nous allons maintenant passer à la phase de la table ronde. Vous avez sur l'écran le numéro auquel vous pourrez envoyer des SMS pour toute question. Donc, merci pour votre attention. Et nous sommes toujours sur ce webinaire qui a pour intérêt de discuter des cancers ORL. La première question, je vais la poser au docteur Thureau, qui est donc oncoradiothérapeute au Centre Henri-Becquerel. Toujours concernant l'examen clinique, pendant les séances de radiothérapie, est-ce qu'il est nécessaire de réaliser un examen clinique? Si oui, pourquoi? On est en plein durant une prise en charge aiguë des patients. L'objectif de l'examen, il n'est pas d'évaluer. Alors, soit on est en post-chirurgical, soit on est en radiochimiothérapie discutible, donc ça changera un petit peu notre attitude. Mais on n'évalue pas vraiment l'évolution de la masse tumorale au cours du traitement parce que c'est souvent assez difficile. Et puis que les patients sont extrêmement douloureux durant cette période, surtout au bout de 3 à 4 semaines de traitement, d'un traitement qui dure environ 6 à 7 semaines. L'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de toxicité particulière au traitement qui entraînerait une dégradation de la prise en charge du patient et notamment pour les patients qui sont en cours de radiochimiothérapie concomitante. S'ils ont une mucite importante qui est due à la radiothérapie ou due à la chimiothérapie, l'un des risques est de devoir arrêter la chimiothérapie et donc de dégrader la qualité de prise en charge du patient. Donc notre examen, il est vraiment centré sur la prise en charge de la toxicité, s'assurer que le patient ne perd pas de poids, qu'il n'est pas douloureux, mais pas vraiment sur le cancer en lui-même, mais sur l'impact des traitements. Merci. Nous rappelons que sur le plateau, nous avons le privilège d'avoir plusieurs spécialités représentées. Il y a le docteur Thureau, docteur Clateau, qui est oncologue médical, le docteur Kalonek-Lenaf, qui est radiologue, le docteur Benjamin Guichard, qui est chirurgien maxillofacial, docteur Vincent Berthet, qui est chirurgien ORL, docteur Bolognini, également chirurgien ORL,
docteur Defrimicourt qui est chirurgien plasticien, docteur Pertuis qui est médecin généraliste à Barentin et docteur Hervé Moisan qui est chirurgien dentiste, spécialiste de la cavité buccale au CHU de Rouen et le docteur Iliès qui est chirurgien ORL au centre Henri Becquerel. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Une question, d'ailleurs, j'en profite pour le docteur Kalonek-Lenaf. C'est toujours finalement pour faire une corrélation avec cet examen clinique qui est si important que ça dans la prise en charge des patients qui présentent des cancers ORL. En quoi les données de l'examen clinique ont-ils une importance pour l'interprétation de l'imagerie ? Alors, on vient de le revoir tout au long de ce webinaire. Hein. L'interrogatoire et l'examen clinique sont essentiels. Et l'imagerie ne sera qu'en seconde intention, avec l'ensemble de ces données-là. Donc, interpréter de l'imagerie sans ces données-là, ça ne sert pas à grand-chose. On aura besoin notamment de connaître la topographie lésionnelle. On l'a vu tout à l'heure, ça va nous aider à choisir l'examen le plus adapté et à mieux techniquer l'examen. Par exemple, le docteur Bombardier nous a parlé des masses cervicales. Effectivement, on commencera par une échographie cervicale, plus ou moins ponction, plus ou moins dosage de thyroglobuline. Et si cet examen est insuffisant, on complétera par un scanner. Si c'est une odynophagie ou une dysphagie, on s'orientera vers un scanner cervico-thoracique avec des épreuves, des manœuvres complémentaires de Valsalva pour dépister les sinus piriformes. Donc c'est essentiel. On a besoin également de connaître la taille lésionnelle et la profondeur, le côté superficiel de la lésion. Tout à l'heure, le docteur Roussel nous a montré une lésion superficielle de la langue. Il se peut que l'examen tomodensitométrique pour cette lésion soit négatif. Et pourtant, il y a bien un carcinome épidermoïde. Et de même, nous, on peut aussi surestimer par l'imagerie des lésions parce qu'on ne fait pas l'examen clinique, qu'on ne dépisse pas les muqueuses. Et enfin, une dernière chose importante, c'est qu'on a besoin de savoir si avant notre imagerie, notamment scanner et IRM, il y a eu des biopsies ou il y a eu une extraction dentaire qui vont modifier énormément notre diagnostic et notamment l'extension lésionnelle. Voilà. Merci beaucoup, docteur Kalonek. Merci beaucoup. Peut-être une question au docteur Moisan et au docteur Pertuis. Est-ce qu'au bout du compte, quand on est chirurgien dentiste ou quand on est médecin généraliste, fréquemment, on est face à des patients qui ont des lésions suspectes de cancer ? Alors, le docteur Moisan, c'est peut-être pas bien orienté parce qu'il est chirurgien dentaire à l'hôpital, mais par rapport à vos confrères, est-ce qu'au bout du compte, c'est un diagnostic fréquent ? Alors moi je travaille en milieu hospitalier, donc effectivement c'est biaisé par rapport à mes confrères libéraux. Néanmoins, le chirurgien dentiste quand même est en première ligne des dépistages, parce qu'en moyenne il examine une quinzaine, vingtaine de bouches par jour. Il nous arrive très souvent, sur notamment des lésions traumatiques liées à de la prothèse amovible, des erreurs diagnostiques ou du moins des retards diagnostiques, parce que en fait la lésion traumatique, eh bien, elle n'est pas traumatique, c'est une lésion carcinomateuse qui évolue sur un rebord de prothèse. Parfois c'est pas toujours évident de faire le diagnostic et la différence entre quelque chose qui est traumatique et quelque chose qui est carcinomateux. Une dent mobile, vous avez parlé des dents mobiles lors de l'examen clinique, les dents mobiles c'est un véritable piège. Déjà pas d'extraction sans radio. Il faut voir ce qu'il y a sous une dent mobile, est-ce qu'il y a une perte osseuse associée, etc. Est-ce que la dent est mobile parce qu'il y a un contexte parodontal ou est-ce qu'elle est mobile parce que il y a une lésion tumorale, gingivale, qui envahit l'os sous-jacent, qui explique la mobilité d'une dent ou d'un groupe de dents. En première consultation, c'est fréquent. J'ai un rôle de formation parce que j'encadre des étudiants et j'insiste beaucoup. Lorsque le patient vient en consultation pour un problème dentaire aigu, qui n'a rien à voir avec un problème de cancer ORL, de faire systématiquement un examen clinique de la cavité buccale. C'est très important. On est extrêmement, extrêmement bien équipé au cabinet. On a un sialytique, on a des gants, on a des petits miroirs, des miroirs oraux qui permettent de voir assez profondément des jonctions parfois difficiles. Je leur apprends également à déplisser la langue, à bien examiner, parce que souvent, on dépiste de façon en première intention un cancer qui n'était pas diagnostiqué. Donc on a un rôle de prévention très important. Merci beaucoup. Et pour le docteur Pertuis, qui est donc médecin généraliste, la question à peu près similaire.
Les cancers ORL en pratique généraliste de ville ne sont pas extrêmement fréquents. Moi, je suis installé depuis 30 ans et j'ai suspecté trois fois des cancers du plancher buccal qui se sont révélés être réellement des cancers qui ont été pris à un stade précoce. À vous entendre, je me faisais la réflexion qu'il faut, de mon point de vue, travailler en amont et puis nous, en aval. En amont, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants en médecine à l'examen clinique. Moi, je suis maître de stage et je reçois des internes à mon cabinet. Et j'ai une obsession, c'est de leur dire et de leur répéter qu'il faut écouter, palper et regarder. Donc effectivement, il y a un gros travail à faire en matière de prévention. Et puis, bien évidemment, quand on est médecin généraliste, on suit des patients depuis 10, 20, 30 ans. Et tous ces patients à risque, notamment alcoolo-tabagiques, on les surveille comme le lait sur le feu. Et l'examen de la cavité buccale est systématique, de même que la palpation des aires ganglionnaires, même si le motif de consultation est tout autre. Néanmoins, il y a ce problème du papillomavirus qui va certainement nous réserver des surprises à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être une question au docteur Ilias. Est-ce que l'examen clinique permet de connaître correctement l'envahissement tumoral, notamment dans les cancers de la cavité buccale ? Est-ce qu'on peut diagnostiquer une atteinte osseuse, des choses comme ça, grâce à l'examen ? L'examen clinique peut avoir la suspicion d'une invasion osseuse de la corticale osseuse, surtout s'il s'agit d'une lésion du plancher buccal qui est voisine à la mandibule, qui envahit la muqueuse gingivale ou même extension au niveau du vestibule. Qui a aussi s'il existe des mobilités dentaires, on a déjà parlé de ce sujet, plus rarement des fractures mandibulaires, mais ça reste une suspicion clinique qui peut être très révélatrice parfois et peut orienter l'examen d'imagerie. Par exemple, dans une situation où il y a une lésion du plancher buccal, mais qui est un petit peu à distance de la mandibule, et il y avait des extractions dentaires dans les dernières semaines, ça peut orienter le diagnostic d'invasion osseuse en imagerie. Mais ça pose une suspicion d'invasion osseuse, mais ce n'est pas affirmé 100% l'invasion à l'examen clinique. Pour rester, merci beaucoup, docteur Ilias, pour rester toujours dans la cavité buccale, une question pour le docteur Guichard. Est-ce qu'il faut se méfier systématiquement d'une dent qui bouge chez un patient qui fume et qui boit depuis un certain temps ? Il faut se méfier d'une dent qui bouge, même chez quelqu'un qui ne fume pas et qui n'a pas de... Je voulais compléter un petit peu le propos qu'a eu le docteur Mazan à propos d'une lésion de la langue sur une prothèse ou sur quelque chose. La dent, elle peut bouger, mais elle peut être aussi traumatique. Et quand on a une dent traumatique, on peut avoir une lésion traumatique. Une lésion traumatique qui est active et chronique, elle peut se transformer. Alors, c'est évident que le premier geste qu'on va faire en tant que stomatologue, en tant que chirurgien dentiste, c'est d'abraser et de traiter le problème dentaire. Si au bout de 15 jours, en vérifiant, il n'y a pas d'amélioration, là, on a une question à se poser et on a à adresser. Pour une lésion mobile, c'est exactement la même chose. On a une lésion mobile parce qu'on peut avoir simplement un problème de parodontolyse, parce qu'on a effectivement un contexte alcoolo-tabagique. On peut aussi avoir une lésion mobile sur un cancer. Là aussi, on peut traiter la dent, on peut faire une avulsion dentaire et voir quelques jours après s'il y a une amélioration, pas d'amélioration au niveau de la lésion gingivale. Effectivement, s'il n'y a pas d'amélioration, à adresser. Pareil aussi pour les muqueuses, pour les lésions de la muqueuse de type lichen. C'est vrai qu'en tant que spécialiste de la bouche, on en voit quand même fréquemment. Un traitement médical aussi par des corticoïdes locaux pendant 15 jours, voit un peu l'aspect que ça peut évoluer. En cas de non-amélioration, toujours à s'inquiéter. Merci beaucoup pour ces précisions.
Tout à l'heure, on a entendu parler de l'HPV. À nouveau, peut-être docteur Pertuis et docteur Clateau, à votre avis, en quoi l'HPV peut modifier la surveillance des patients? Parce qu'au bout du compte, on avait une population, on disait qu'il fallait surveiller de façon très, très stricte qui étaient les patients alcoolotabagiques. Et là, au bout du compte, on peut se retrouver avec tout type de patients qui peuvent avoir un cancer ORL. Et quelle est la place de la vaccination en médecine générale? Est-ce qu'elle est facilement acceptée? Est-ce que la vaccination Covid des adolescents change quelque chose à la proposition de la vaccination anti-HPV chez cette même population? La vaccination Covid, oui, alors c'est un vaste sujet, mais on n'en parlera pas ce soir. Concernant la vaccination HPV chez les garçons, chez les filles, il y a eu un démarrage, vous le savez tous, un peu difficile. Il a fallu convaincre, il a fallu expliquer. Il y a eu au début une polémique sur d'éventuels effets indésirables du vaccin. Maintenant, je pense que vraiment les choses sont... On a dépassé ça et les mamans nous amènent leurs filles pour qu'elles puissent bénéficier du vaccin. Pour ce qui est des garçons, il y a un retard à l'allumage et je dirais que je fais partie de ces médecins qui sont responsables de ce départ à l'allumage parce que c'est pas, il n'y a pas eu beaucoup de communication sur le sujet et aujourd'hui, j'ai proposé à deux garçons de recevoir le vaccin, mais c'est peut-être aussi parce que j'étais présent avec vous ce soir et que par la force des choses, on est sensibilisé à la prévention. Maintenant, pour ce qui est des cancers ORL induits par le virus, je n'en ai pas vu. Je ne sais même pas si c'est fréquent et si mes confrères ORL sont souvent confrontés à cette problématique. Et c'est une question que je leur pose bien volontiers. Oui, c'est tout à fait justifié, sachant que vous avez évoqué qu'il y a à peu près trois patients chez qui vous avez vu développer des cancers de la cavité buccale. Pour vous donner une idée d'ordre, les cancers ORL, en particulier de l'oropharynx, concernent maintenant à peu près un tiers des patients sont en rapport avec l'HPV. Donc c'est vrai que ça dépend aussi des régions. Certains parlent carrément d'épidémie qui est en train de se développer, épidémie de l'HPV. Donc c'est vrai qu'on va de plus en plus voir des sujets qui sont jeunes, qui n'ont pas de facteurs de risque connus, classiques, mais qui vont développer ces pathologies. Et peut-être pour le docteur Clateau, est-ce qu'il faut justement faire une surveillance particulière en cas de lésion oropharyngée induite par l'HPV? Vous parlez chez le patient ou chez son partenaire? Chez son partenaire. Alors, chez son partenaire, la question elle était résolue parce qu'en fait, les cancers liés à HPV sont liés à une infection chronique à HPV. Donc, il y a souvent une première phase d'infection aiguë. Chez la plupart des personnes, il y a une évolution qui est favorable et le portage chronique est finalement relativement rare, 5 à 6% des patients. Et dans cette situation-là, c'est légitime de se dire, j'ai un patient qui a un cancer ORL HPV induit. Le plus probable, c'est que son partenaire sexuel ait également un risque élevé et un portage du même HPV. Et bien, finalement, c'est faux. La probabilité de trouver de l'HPV en portage chronique oropharyngé chez le partenaire d'un patient qui sera atteint d'un cancer HPV induit, c'est le même que dans la population générale. Donc il n'y a pas d'indication. Donc moi, je rejoins tout à fait les recommandations qui sont d'inciter à la vaccination avec déjà des premiers résultats sur la diminution de la probabilité d'avoir un portage chronique juste quelques années après la réalisation d'un vaccin, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une relation entre le fait d'avoir un cancer HPV chez un homme et le fait d'avoir un cancer oropharyngé HPV et le fait d'avoir un cancer du col utérin. Donc on peut juste recommander l'application des recommandations pour les femmes qui sont de faire un dépistage régulièrement au minimum tous les 3 ans au niveau du col utérin. Mais donc clairement, non, pas de dépistage systématique chez le partenaire au niveau oropharyngé, en cas de cancer oropharyngé. Merci beaucoup. On va descendre un petit peu dans l'anatomie pour se rediriger vers le larynx. Une question pour le docteur Bolognini, qui est chirurgien ORL à la Clinique de l'Europe. En consultation, vous pouvez avoir des fois un matériel très performant qui permet d'avoir des images de haute définition. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on pourra se passer de l'examen clinique sous anesthésie générale qu'on appelle palindoscopie
grâce à ces outils modernes. Non, je ne crois pas que c'est pas le but en fait, ce matériel-là. En fait, il faudra toujours faire un examen sous anesthésie générale, ne serait-ce que pour faire des prélèvements. Et ensuite, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut que la personne qui va prendre en charge le patient pour une chirurgie partielle, par exemple, il a besoin de voir précisément en fait, l'étendue de la lésion. Et ça, on ne peut le voir que lors d'un examen sous anesthésie. Par contre, effectivement, ce qui est regrettable, c'est que ce matériel très performant soit encore très coûteux et ne soit pas valorisé, entre guillemets. C'est-à-dire que l'on fasse un examen avec un fibroscope traditionnel en fibre, qui, grosso modo, coûte 5000 euros, ou avec un vidéoscope numérique qui vaut quasiment 10 fois plus, en fait, la cotation pour le médecin est la même. Donc, il faut être très passionné et avoir beaucoup de patients à examiner pour faire l'acquisition de ce matériel. Mais effectivement, il y a quelques médecins à Rouen qui l'utilisent quotidiennement. Mais effectivement, c'est un matériel très performant qui nous permet d'avoir une vue qui n'a pas de comparaison avec ce qu'on peut voir avec les fibroscopes traditionnels. Merci beaucoup. Nous avons dépassé le temps. Nous allons peut-être prendre une à deux questions pour terminer. Peut-être une question au docteur Berthet. Pour revenir un peu sur les masses cervicales, pour une masse cervicale sans point d'appel particulier, est-ce qu'on débute par une antibiothérapie ou est-ce qu'on va directement à une échographie, voire à une TDM ? Pour éviter tout retard thérapeutique, je pense que le message est assez simple. Il faut, je pense, passer par l'échographie à un moment donné. Donc, pourquoi pas la faire d'emblée, dès que la masse est présente depuis quelques jours. Dès que la chronicité est là, 3 semaines, je pense que c'est absolument indispensable. L'antibiothérapie, elle ne pourrait se justifier que si le contexte est infectieux manifeste. Mais elle est le plus souvent pourvoyeuse d'un certain retard thérapeutique. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être pour clôturer. C'est vrai que le thème était plutôt de se concentrer sur l'examen clinique en sautant la partie thérapeutique chirurgicale. On va directement passer à une question adressée au docteur Defrimicourt qui est chirurgien plasticien reconstructeur. Est-ce que lors d'une consultation en vue d'un procédé de reconstruction, vous réalisez un examen clinique particulier et quel est cet apport ? Oui, tout à fait. Déjà, on va examiner déjà l'état général du patient, voir si de la microchirurgie est possible, c'est-à-dire de faire un lambeau libre. Ensuite, à l'interrogatoire, on va quand même lui demander sa main dominante, si on veut prélever par exemple un lambeau antébrachial, donc au niveau de l'avant-bras. Et question très importante, je lui demande si son périmètre de marche est assez étendu. Il va me dire oui, je marche très très bien. Et après, je lui demande... Est-ce que vous pouvez monter un étage ? Il va dire ah non, quand même pas. Et là, on sait que le lambeau de fibula ou le péroné, bah, il y a plein d'athéromes dedans et on va plutôt se porter vers un lambeau autre, osseux, donc scapulo-dorsal plutôt, qui est plus épargné par l'athérome. À l'examen clinique aussi, on va faire plein de tests pour voir, par exemple, si les axes vasculaires au niveau de l'avant-bras sont perméables pour la main, si on veut prélever un lambeau antébrachial, vu qu'on va sacrifier un des deux axes pour prélever ce lambeau. On va aussi voir tout son corps, voir sur les cicatrices. Par exemple, s'il y a une cicatrice de laparotomie, on sait que si on va prélever là un lambeau de jejunum, c'est-à-dire d'intestin grêle, ça va coller pas mal au niveau intra-abdominal. Ou s'il a une cicatrice, par exemple, de lobectomie pulmonaire pour le prélèvement du lambeau de grand dorsal ou scapulo-dorsal, donc au niveau du dos. On va aussi voir par rapport à la zone de reconstruction si on veut plutôt une épaisseur cutanée, donc une palette cutanée fine, par exemple pour reconstruire une face interne de joue ou une paroi pharyngée, ou plutôt un lambeau plus épais pour avoir plus de volume comme une langue. Et là, du coup, on va voir l'épaisseur cutanée au niveau de chaque site de prélèvement, donc soit la cuisse, soit l'avant-bras, soit le dos. Donc, il faut savoir que la zone de reconstruction est aussi dépendante du patient et chaque patient est unique, donc on s'adapte vraiment au patient et à la zone à reconstruire. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse très, très détaillée et qui confirme la complexité de prise en charge de ces patients, que ce soit au moment thérapeutique ou dans les années qui suivent. Je vais peut-être laisser donc la parole au docteur Mbogo pour conclure ce webinaire. Nous vous remercions à tous pour votre attention. Il faut savoir que cette vidéo sera disponible toujours sur un lien YouTube pour les personnes qui n'auront pas pu se connecter en live. Nous restons aussi à votre disposition pour répondre à des questions.
Il faut savoir qu'en Normandie, on a la chance d'avoir plusieurs centres de traitement. Le message pour cette semaine de sensibilisation des cancers ORL, c'est qu'en cas d'apparition de symptômes particuliers au-delà de 3 semaines, par exemple une langue douloureuse, une langue avec une sensation d'aphte, une rougeur, une douleur dans le fond de la gorge, une voix qui change, des difficultés à avaler, un saignement de nez, il faut garder l'habitude d'expliquer au patient qu'il est nécessaire de consulter pour avoir un avis médical. Cet avis médical peut lui conduire à un avis spécialisé. Et c'est en réalisant cette démarche que l'on pourra avoir la possibilité de proposer des traitements curatifs à plus de patients, que ce soit en Normandie ou dans le reste de la France. Merci pour votre attention. Merci au comité d'organisation, à tous nos partenaires et à l'équipe technique. Bonne soirée à tous. Au revoir.